Ok, de retour. Désolé, j'ai été un petit peu long parce que j'avais un petit peu faim, donc j'ai mangé un petit truc vite fait. Du coup, ouais, j'ai du coup pris quelques minutes de plus. Mais voilà, on va attaquer donc le stream Dragon Quest Heroes, deuxième partie. Alors, hop, juste, je vais mettre ça. Ah, Itachi Uchiwa, comment vas-tu? Hop. Ok. Alors. On y go. Je baisse juste un tout petit peu le son dans l'oreillette. Comment vas-tu, Itachi? Poursuivre l'aventure, ouais. Tu fais un live sur Twitch ou pas? Ouais, là c'est en même temps, c'est sur YouTube et sur Twitch. Donc oui, là j'étais dans une petite aire de repos où je me suis équipé. Et je vais aller à Mécalis, la ville de la magie. Et des magiciens. Goddess speed. Ok, allez, on y va. Lui, il me dit quoi, le roi, là? Lui, c'est le roi. Doric. Ok, on y va. Ah, elle veut pas me parler, si. Franchement, le chara design, il est trop bien. C'est vraiment les personnages de Dragon Ball, quoi. On est en plein dedans. Ouais, je suis prêt à partir. Ok, j'ai fait sur Twitch. Ouais, bien sûr, tu cho choisis la plateforme qui t'arrange, hein, ami Samir. Itachi. Now, gird your loins, friends. We know not what lies beyond these gates. Mi, let me go first. Ah, c'est pas joli joli ce qui nous attend derrière les portes, hein, quand même. Here too, just as we feared. Allez, on va dégommer du monstre, on va bien rigoler. This doesn't look too good. So what do we do? Mais non, on va dégommer du monstre. On a des pouvoirs magiques, des épées, tout va bien, nickel. When they lower their guard, we strike. Wait for my signal, and then we advance. On second thoughts, forget it. What? Lui, il veut toujours faire des plans et tout, puis elle, les plans trop longs, elle en a marre, quoi. Elle veut pas les faire. Alors là, du coup, qui c'est qui nous a aidés? Ah! Confounded. My strategy did not account for the intervention of a third party. Oh, wow, that was amazing. Et on peut lui dire merci, hein. Elle nous a bien aidé. Elle nous a bien aidé. Charmed, I'm sure. I don't believe we've had the pleasure. I'm Isla, head of the Institute of Ingenuity. It's nice to meet. Donc c'est la directrice de l'ingéniosité. Elle s'appelle Isilda. Your timing is impeccable as ever, my dear. We are in your debt. Glad to be of service, Your Majesty. Oh, you're a jumpy one, aren't you? But I have to say, I like that in a man. Makes you all the more fun to dissect. You mean to study? I fear I may prove a rather complex case. Oh, get over yourself. She's joking, you idiot. Oh, I never joke about my work. Why don't you pop by? Hey, les scènes d'animé, elles sont sympas, hein, quand même. Take a look at you. Ah, comment le drague de ouf! Comment le drague? N'importe quoi! Donc, si j'ai bien fait attention, elle a un boomerang à la ceinture. Hein. Ouais, c'est ça. Il est très stylé son boomerang. Ah, puis les monstres, ils vont pas faire long feu avec.
Mix Namir, on est là, d'accord. Donc c'est Itachi sur YouTube et... Quoique Itachi était venu avec sur, sur Twitch. Est-ce que t'aimes bien l'univers Dragon Quest, toi, Mix Namir? Isil, dans... c'est ça, tu ne comptes pas emmener Lucius dans ton labo, hein. Mais qu'est-ce que je raconte? En tout cas, merci de nous avoir aidés. Oh, comment ne pas aider une gentille petite comme toi? Je veux dire, une grande guerrière comme toi. Au fait, je me sens bien t'avoir promis une visite guidée de Mécalis. Il s'agira sûrement plus d'une patrouille que d'une promenade touristique. Bien sûr. Très amusant, mon garçon. Bon, vous deux, sachez que c'est Isil qui commande. Obéissez-lui ou vous le regretterez. Très bien. Donc, faut battre tous les monstres. Ça, c'est pas compliqué. On va y arriver, logiquement. Hop, mon super pouvoir, l'âme infernale. Ah oui, je crois que j'en ai une deuxième, d'ailleurs. Ouais, avec le triangle, l'âme de feu. Ouais, super sympa. Donc lui, il a des pouvoirs basés sur le feu, hein, évidemment. Ils ont chacun leur spécialité. Je fais pas assez trop longtemps, je fais venir après. D'accord, ok, pas de soucis, Ami Samir. Bah tu viens quand tu peux, hein, de toute façon. C'est un lieu ouvert, voilà. C'est selon vos disponibilités à tous, hein, bien sûr. Allez, on va détruire du mob. Ah, c'est des trucs à récupérer, on sait jamais. Bon, des plantes, c'est bien, mais j'en ai pas trop besoin tout de suite. Alors, hop, on va détruire cela aussi. Ah, j'en ai laissé plein sur le passage, hein. Allez, l'attaque spéciale, voilà. Alors, il y a des combos. Bon, c'est des combos simples, hein. C'est soit... 4 fois carré, soit 4 fois triangle, ou alors il y a 3 fois carré et 1 fois triangle. Ah, le mal sur le monstre. Hop, là, il y a du loot. Voilà. Donc celle de la terre. Ok, alors lui il nous narque, il est juste devant, il n'attaque pas. Ok. Comme tu veux, mec. Hein. Donc c'est un jeu qui est parfait pour se défouler, hein, quand même. L'histoire, voilà, elle est marrante. Hein. Ils se font des petites blagounettes entre eux. Même si, évidemment, voilà, pour sauver le monde qui a été envahi par, par les ténèbres et les monstres qui étaient gentils sont devenus méchants. Tout ça, évidemment, entrepris par un magicien maléfique. Mais franchement, voilà, le gameplay est simple. C'est le jeu est beau. Le jeu est beau, même si voilà, il est pas non plus récent, il est de 2015, mais il est toujours beau, c'est fluide. L'univers, voilà, est sympa, c'est l'univers Dragon Quest, donc du coup, Kara Design, Akira Toriyama, le maître de Dragon Ball. Donc ça, c'est garanti. Ah oui, alors j'ai ma barre violette sur la gauche qui est presque remplie, c'est ma barre d'ulti. Donc ça c'est super, c'est la barre de tension. Donc quand elle est remplie, ben, je peux libérer ma tension. Et du coup ma force, ma vitesse, enfin j'ai tout en power up. Et je peux déclencher une ulti à tout moment avant la fin. Parce que voilà, une fois qu'on la déclenche, la barre se vide petit à petit. Donc, avant qu'elle soit vidée, il faut déclencher l'ulti. Qui est vraiment une attaque ultra destructrice. Hop, ça c'est cool. J'ai gagné une aide de chauve-souris. Allez, on va faire le... Hop. Voilà. Ah ouais, alors lui, le mal se commence. Bon, ça va, il est pas non plus... En plus, on est trois dessus. Voilà. Nickel. Leur compte est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper de ceux qui traînent encore dans le coin. Ok. Ouais, on prend le loot. Right.
une horde de monstres est apparue à l'extérieur du village. D'accord. Ah oui, c'est même plus qu'une horde là, c'est la fête aux monstres là. C'est la fête aux monstres. Ok. Non, déjà, faut que je suive le blanc. Moi, je suis la flèche verte. Et je vois tous les mecs là, tous les points rouges. Donc, suivez visible, ok. Ah ouais! On va utiliser un super canon? Une magique canon. Ah ben, moi, je vais bien essayer, hein, ouais. Carrément. The monsters are crossing the bridge. Steady your aim and fire. Alors elle visait 0 tiré. Il y a un petit temps de rechargement. C'est super destructeur. C'est ultra destructeur. Ah, il n'y a plus de munitions, merde. Ah, j'ai plus de munitions. J'ai gaspillé. Ouais. Faut que je descende. Hein. It takes a while for the old girl to build up her reserves again. Ah ouais, d'accord. On peut attendre un petit peu quand même du coup ou pas? Mais c'est trop tard là. Non, je pense qu'ils vont rentrer là. Ouais. Bon bah je vais les hop, je descends. They've broken through the gate. Ah, j'ai ma tension qui est pleine. OK. Ah putain, là je suis Keblo, faut que je fasse le tour. Merde, bon, pas grave. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour et on va s'en débarrasser. Vite fait, bien fait. D'ailleurs, il y a un coffre là. Hop. Donc là, je gagne quoi? Une mini médaille, d'accord. Par contre, je crois que j'ai loupé le. Ouais. Je vais prendre les escaliers. Ok, je prends les escaliers, on y va. Ok, toi tu me fais pas chier, s'il te plaît, merci. Ok, très bien. Alors du coup, je vais utiliser l'attention. Allez, c'est le bouton rond. Allez, on y va. Donc là, pas de quartier, j'attaque. À fond les ballons. Allez, l'ulti. Donc là, une épée électrifiée. Il y a du loot ou pas? Non, il n'y a pas de loot. De reste... Ouais, juste, il reste un petit monstre qui se balade là. Tout seul. Ah d'accord, il y a un... un allié qui l'a vaincu, d'accord. I foresaw their every move. Parfait, apparemment le calme est revenu, bon, retournons au camp pour discuter. D'accord. Juste un truc et je reviens. Hop. Thank you.
Ok. Il y a juste un truc. Ok. Alors, hop, on y retourne. Ok. Alors, il faut qu'on lui rende un service, d'accord ? Une mission de surveillance, d'accord ? Ok, donc la prochaine mission, ce sera une mission de surveillance, apparemment. Donc, on va retourner au camp. Comme ça, on va acheter des armes, etc. Ok. Alors, je m'appelle Isild. Ouais, ok, ça on le sait. Wow, c'était trop facile les monstres, c'était trop facile. Yes. Got it. Ah! Thank you so much. Très bien, donc elle va nous montrer un vaisseau aussi. Super. D'accord. Isild rejoint l'équipe. Nickel. Donc l'équipe s'agrandit petit à petit. Alors, changer de personnage. Vous pouvez changer de personnage au beau milieu d'un combat en utilisant L2. D'accord, très bien. Alors, Aurora, guerrière fougueuse avec un don pour les attaques de glace fulgurantes. Son impressionnante rapidité et son allonge remarquable font d'elle un atout considérable au combat. Sa fission à froid déchaîne une tornade glaciale qui décime les rangs ennemis. Utilisez cette attaque contre de grands groupes d'adversaires, d'accord ? Doric, à la fois roi et guerrier, ses qualités sont tout aussi variées. Une force stupéfiante, une rapidité prodigieuse et un éventail de compétences spectaculaires. Ok. Son attaque glace pilée, délivre une volée de coups glacés, parfait pour achever les ennemis qui prennent la fuite. Isild, combattante fougueuse et inventive, qui frappe les méchants à distance avec son boomerang. Appuyez sur carré ou triangle lorsqu'elle le rattrape pour déclencher une attaque spéciale. Elle utilise la tornade pour balayer l'ennemi dans un tourbillon et peut même y adjoindre d'autres attaques pour la rendre encore plus impitoyable. Pour en savoir plus sur les aptitudes d'Isild, ouvrez le menu et consultez la liste d'actions. D'accord. Donc on a gagné un niveau, niveau 8. Est-ce qu'on peut utiliser l'alchimar 8 ou pas encore? Il est où le mec qui utilise la marmite? Ouais, c'est lui. Voilà. Attends, il dit quoi? Ah oui, d'accord, les grains d'or, faut les vendre, d'accord. On peut pas les utiliser pour la chimie, d'accord. Captain. Well now. Ah.
Ouais, mais c'est notre pote, on va pas le disséquer quand même. Ok, donc ça c'est cool. Ouais. Attribuer les points de compétence. Ah oui, du coup, pour l'instant, j'ai pu attribuer que ceux de Lucius. Maintenant, je peux attribuer ceux pour les autres aussi. Donc, Aurora. Ouais, 6 points de compétence. Ok, vous utilisez maintenant lame de gel, d'accord. Et là, c'est quoi? C'est la foudre. Éclair surgit de nulle part, qui frappe les ennemis vous faisant face. Ouais. Ok, on apprend ça. Bien. On va lui augmenter les PV. Hop, et après 2 points de compétence, on peut rien faire. Renorbert, putain. Et toi, tu vas me faire tous les prénoms, tous les vieux prénoms des années 20 ou des années 30, je sais pas. Et je suis pas aussi vieux que ça. Calme-toi, petit gars. Glace pilée, donc c'est bon là. Délivrance. Alors, c'est quoi? C'est. Crée un portail qui aspire les ennemis puis les envoie voler. Ah, génial! Allez, on apprend ça. Là, c'est quoi? Courroux royal. Énorme météorite s'abattant sur terre sur ordre du roi. Ah, par contre, ouais, ça demande beaucoup trop de points, j'en ai pas. Je vais lui augmenter un peu les PV d'abord. Hop. Un peu les PM. Ok. La force aussi. Et après, j'ai plus de points de compétence. Ok, ensuite, Isilda. Alors, oiseau de feu. Envoie un oiseau de feu qui fonce sur les ennemis. C'est cool ça. Donc, ça, ça demande que 3 points de compétence. Du coup, tu. Oui. C'était sympa ta session Monster Hunter World. En vrai, je suis pas fan de ce jeu. Ah bah après, il en faut pour tous les goûts, hein. Que veux-tu? Que veux-tu, que veux-tu? Donc, lancer de feu. Élimine tous les ennemis situés sur la trajectoire de ce boomerang brillant. Franchement, si tu veux un jeu pour pas te prendre la tête, tu sais, c'est un beat'em all, tu détruis des hordes d'ennemis. Après, il y a une petite histoire, tu vois, dans l'univers Dragon Quest. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Non, nul, je l'ai désinstallé. De quoi? Monster Hunter World? Non. Non, tu l'as désinstallé, Monster Hunter? T'es sérieux? Terrible tornade qui cingle l'ennemi sur un large périmètre. D'accord, ouais, c'est une évolution en fait. Et bon, il y a des trucs là aussi propres à l'île. Averse revigorante, pluie rafraîchissante qui soulage toutes les altérations de statut. Ah, c'est cool ça. Par contre, je sais pas comment ça se déclenche. Sauf que c'est un truc aléatoire. Bah ouais, et. Bon, je sais pas. Mais en plus, attends, tu l'as désinstallé, mais tu l'avais acheté en boîte quand même. Enfin, c'est pas genre juste tu l'avais téléchargé ou je crois ou quoi. Parce qu'après, si tu veux le réinstaller, ça va te prendre 50 ans. Ça c'est quoi? Prolonge la durée de l'oiseau de feu.
Ah oui, d'accord, par contre, ça demande 50 000 points. Star-tiller, augmente l'impact des magiques canons et des balistes. Ah, pas mal. Maximum PV plus 10, augmente le maximum de PV de 10. Ouais. Facilite l'activation du duo morangue. Je sais pas si c'est le duo morangue. Recharge lentement les PM lorsque vous êtes à court de PV. Ah, c'est bien ça. Ah, ça donne trop de points. Non, ça, je peux pas faire du coup. Ah, mais 4 points si je peux augmenter les PM. Okay. Télécharger, mais je le rechargerai quand je veux. Ah oui. De toute façon, on a le droit de le télécharger plusieurs fois. Il verra aussi, j'aime plus. Demain, je vais m'attaquer à Uncharted, je pense. D'accord, mais je crois que tu avais perdu ta carte Fnac. Tu l'as retrouvée? Ou ton bon Fnac plutôt. J'hésite entre Shenmue, après coup. Mais le 2. Le 21. Oui, c'est. Ouais, faut attendre quelques jours pour Shenmue. Pour la compile du 1 et le 2. C'est la semaine prochaine. Hop. Après, tu sais, Uncharted. La compile, c'est garanti, hein, tu vas. Je pense que tu vas aimer, il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas, quoi. C'est des bons jeux, hein. C'est des bons jeux. Surtout à 15 ou 16 balles, je sais plus. Ouais, donc je sauvegarde. Yes. Ah oui, j'ai oublié de regarder pour le marchand d'armes. Faut que j'aille le voir. Le marchand d'armes et de boucliers. Ah, non, je continue. Je continue. Alors. Uncharted, j'adore. J'ai fait le 4 en plus. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça. Mais Shenmue me tente après coup. Bah, je sais pas. Shenmue, t'as bien regardé des vidéos de gameplay, etc. Alors, acheter. Ah, mais il y a du choix maintenant là. Rapière d'argent. Moi j'ai combien? Ah, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai pas beaucoup de sous. Hein. Donc lui. Il y a 57 à la base, ok, donc déjà c'est bien. Donc faut augmenter les autres. Ouais, on va plutôt lui acheter 59, c'est bien. Par contre les autres du coup... Ah, elle a que 26, 27 d'attaque. Putain. Ah non, mais faut que je lui achète une arme, elle. Ok. Okay. En plus, il y a une musique pendant le trailer. Waouh! Ah! D'accord. Je l'ai pas en tête. Parce que mais j'ai vu un trailer il y a pas longtemps. C'était un extrait de gameplay, je sais plus. Ah non, je crois que c'était. C'était sur le site de. Enfin, sur le YouTube de Carole Quinten. Elle avait fait une preview sur le jeu. Et du coup, il y avait des images. Donc je sais pas s'il y avait cette fameuse musique ou pas. Donc non, c'est pas le trailer que j'avais vu en fait. Je peux acheter un bouclier d'écaille. Ça peut toujours augmenter la défense d'Aurora. Ou alors ça. Ouais, pour le roi. Ouais, j'achète ça. Regarde le trailer vite fait qui te montre la Play Store. Alors par contre sur le Play Store, j'ai jamais compris. Peut-être que tu pourras me dire, mais moi quand je regarde les trailers dessus, il n'y a jamais la musique. Est-ce qu'il y a un réglage à faire ou... Tu sais, genre, je vais tout de suite sur la page du jeu, hop, je vois un trailer. Enfin, la plupart du temps, il y a un trailer. Et... Mais j'ai jamais la musique qui l'accompagne. Donc, bon, je sais pas, j'ai jamais compris. Très bien. Ok, j'ai plus rien en pièces. Donc, je vais re-sauvegarder. Et je vais partir à la prochaine mission. Let us pray. J'aimerais acheter Uncharted, Naruto 4, Dead Island, Riptide et Shenmue Total 70. Bah en même temps j'ai envie de te dire, franchement ça va, parce que 70 c'est le prix d'un jeu neuf. Hein. Donc ça te fait une compile Uncharted à 16 balles, Naruto à 8 balles ça fait 25 balles. C'est Shenmue le plus cher en fait à 35 balles. 60. Et après donc le Dead Island il doit être à 10-15 balles quoi. Oui
Oui, je regarderai après, hein, bien sûr, t'inquiète. Après ma session Dragon Quest, je regarderai le trailer. Mais bon, j'ai déjà préco des jeux, donc je pense pas que je le prendrai en plus, quoi. C'est un petit peu compliqué. Il y a trop de jeux. Il y a trop de bons jeux. Mais bon, au moins, voilà. On est quand même bien servi avec toutes les consoles, le PC, tous les genres de jeux, franchement. Puis c'est rare qu'il y ait des jeux vraiment nuls, quoi, maintenant. Uncharted 17. Ah oui, c'est Naruto 8. Dead Island 8. Ouais, c'est Shenmue, quoi. Mais Shenmue, je crois que je l'ai vu... Je crois que je l'ai vu à 31,99, je sais pas où. Peut-être sur le site de la Fnac. Je vais te dire ça. Et la Fnac, il y a un bon plan si t'as la carte Fnac, même pas la carte. La carte Fnac Plus, même la carte Fnac de base. Bon, faut que tu la payes, elle est à 10-11€. Pour les gens en précommande, c'est marqué, hein, de toute façon, quand ils le font, mais pour la plupart des gens en précommande, t'as au moins pour chaque jeu 10€ offerts. Même Tomb Raider là. Si tu précommandes le Tomb Raider, il te crédite 20€ sur ta carte Fnac à utiliser dès que tu reçois le jeu, donc le temps qu'il valide après le bon quelques jours plus tard. Tu auras un bon d'achat de 20€ valable sur quasiment tout, sauf je crois les voyages, les photos, et puis les livres, enfin des choses comme ça. Mais attends, je te dis ça. Donc franchement, ça vaut le coup la Fnac cam. Enfin, ça dépend quoi. Mais histoire des jeux en précommande, ça vaut le coup. Parce que du coup, ça fait les jeux neufs pas à moitié prix, mais presque. Enfin non, pas non. Là, c'était 20€, donc c'est en général c'est plutôt 10€. Mais voilà, ça te fait quand même un jeu neuf avec quand même une petite réduction, quoi, ou un bon d'achat. Ça dépend comment on voit le truc. Si je retrouve avec ma carte Fnac, parfait, sinon je gratte avec mon père. Non, 32,99. 32,99 et t'as 5€ offerts sur ton compte Fnac. Ce qui est normal, parce que comme c'est un jeu qui a un bas prix, ils peuvent pas donner 10€. On sait que les jeux, voilà, à moins de 40 en général, c'est plutôt 5€. Mais quoique, tu vois, le Spyro, je crois qu'il est à 39, mais il donne un bon d'achat de 10€. Donc t'as un bon d'achat de 5€, même s'il faut au moins 10€ pour avoir un bon d'achat. Tu peux pas utiliser un bon d'achat de 5€, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc c'est au moins un bon d'achat de 10€. Mais après tu précommandes autre chose, voilà. Je sais pas, t'as plein de jeux, Red Dead il y a 15€ offert, Tomb Raider 20€ offert. Par contre je crois que Naruto ils offrent rien, ça j'ai pas compris. Donc c'est pas automatique, mais voilà, la plupart des gens précommandent. Après, ils le font. Après, les jeux en précommande, tu vois, de genre 2019, j'ai regardé, il n'y en a aucun où il y a ça, mais je pense que c'est normal parce que c'est encore trop tôt. Ou même ceux de la fin d'année, tu vois, c'est encore trop tôt parce que ils doivent sûrement essayer de. Enfin, comment dire. Avant de le faire, ils doivent calculer, sûrement peut-être discuter, négocier une réduc avec l'éditeur, etc. Pour savoir combien ils peuvent offrir sur le compte Fnac. Donc ça veut pas dire que les jeux de fin d'année et en 2019 ça ne le fera plus. Hein. C'est juste que je pense qu'il leur faut ils le savent pas 50 ans avant, ils le savent peut-être un mois, deux mois, trois mois avant, mais pas plus quoi. Mais Shenmue, ouais, Shenmue 32,99€ à la Fnac. Alors, vous allez vous aventurer dans un territoire infesté de monstres. Capitaine, je suppose que vous avez fait les préparatifs nécessaires, vous êtes prêt à partir. Ouais. Mécalis, donc la ville de la magie et de la mécanique. Ok, donc faut que je protège le générateur, je crois.
D'accord. Chief, we're detecting another space-time anomaly somewhere within the town. Ok. A nightmare. One of those Moorkeeper creatures must have snuck in somehow. It would seem so. Then this place will soon be awash with monsters! Friends! Allez, aux armes, mes amis. Alors, une invention irremplaçable. Protéger le générateur. Alors, les feuilles d'Yggdrasil. Ok, les alliés tombés au combat peuvent être ressuscités à l'aide d'une feuille d'Yggdrasil. Pour ce faire, approchez-vous de votre compagnon et appuyez sur X. Très bien. D'accord. Allez, on y va. À l'attaque. Allez, petit monstre, vous allez déguster là. Allez, lame de feu. Lame infernale, pas putain. Lame de feu, c'est l'autre. Yggdrasil, c'est dans God of War. Oui, c'est l'arbre. Mais voilà, son Yggdrasil, c'est... C'est un arbre vraiment légendaire, donc du coup... On le retrouve un peu dans plein de jeux. Hein. Yggdrasil, c'est la vie, quoi, tu vois. C'est comme un machin. Chief, we're detecting another space-time anomaly somewhere within the town. Chef, nous avons détecté une nouvelle anomalie spatio-temporelle. Captain. Tu as un instant, capitaine? Oh, I've got a little something for you. It's only a prototype, but I'm fairly confident it won't explode. Alors, qu'est-ce que c'est? Without going into too much detail, it extracts the essence of defeated monsters and compresses it into something resembling a coin. You can use these coins, or monster medals, as I call them, to summon those same monsters to fight for you whenever you feel like it. Not bad, eh? Ah, on peut capturer des monstres, un peu la Pokémon en fait. So this is a monster medal. Et du coup, il se battra à notre place, d'accord? Okay. Time to put the theory into practice. Well, go on. Give your newfound friend a call. Alors, médaille de monstre. Les médailles de monstre peuvent être utilisées pour juguler l'afflux de monstres pendant les combats. Ok. Des maelstroms sont apparus à l'ouest et au sud du générateur. Il va être pris en tenaille. Si vous concentrez tous vos efforts sur les monstres du Maelstrom de l'Ouest, le générateur sera totalement vulnérable aux attaques venant du Sud. Et ouais. Dans ce genre de situation délicate, vous pouvez confier la protection d'une zone à un allié en utilisant une médaille de monstre. D'accord. Ouais, pas de soucis, Xeros. Les alliés invoqués à l'aide des médailles de monstre continueront à défendre le même endroit jusqu'à épuisement de leur PV. Normal. Grâce à l'aide qu'il vous apporte sur le premier front, vous pouvez concentrer vos propres efforts sur le deuxième maelstrom. Très bien. En utilisant astucieusement les médailles de monstres, vous devriez pouvoir vous sortir de toutes les situations critiques. Maintenant, allez vite défendre le générateur. On y va. On y va. On y va. On y va. Hop, allez, go. Device that can capture defeated monsters and bend them to our will? This is a discovery indeed. I'm glad my work meets with your approval, Your Majesty. I hope it'll Par contre, le générateur là, il est attaqué. Now, rather than get Par contre, les monstres alliés, comment on fait? Why don't you just give it a spin? Elle m'a pas dit comment je m'en servais d'ailleurs. For a few more details je ne crois pas, en tout cas. You can take a look in the menu. Alors.
Parce que je crois pas qu'on m'ait dit pour l'histoire des monstres. Ok, L1 la défense, ok. L2 c'est pour switcher entre les personnages, d'accord. Voilà, donc les flèches gauche-droite, choisir entre alliés, d'accord. Ah, invoquer c'est la flèche du haut, d'accord, ok. Et la flèche du bas, renvoyer entre alliés, d'accord. Why not give it a glance when you have a moment? Ok, donc là, j'ai invoqué le monstre. Du coup, je vais aller en haut. Ah, j'ai pas TPM, merde. Bon, je sais pas si un seul monstre va pouvoir me... Ah, j'ai d'autres médailles, super. Ok. Ok, alors du coup, je vais les mettre dans le sud, au sud. Parce que le générateur... Ouh, il lui reste pas grand-chose en PV au générateur, là. Merde. Ah si, ok. C'était caché de savoir de PV. Ok. Donc hop, on invoque et on invoque. Ok. Ça marche pas. Onward, one final charge. Ok, si ça marche. Feel the wrath of the righteous. Allez, vous dégagez. Super. J'ai encore une médaille. Génial. Ok. Et encore une médaille d'ailleurs. Hop. Ah, du coup, ouais. Il y avait un monstre que j'avais lâché qui est mort parce que je vois plus dans le truc. Dans le menu. Après, forcément, s'ils se font taper. Ah, ouais, mais alors là, comment vous dire? Ils sont pas assez efficaces, mes monstres là. Mais, ok, d'accord. Tout va bien. D'accord. Donc hop, hop, en temps. C'est un peu chaud pour mes monstres de défendre contre tout toute cette armée là. Ah là, c'est la guerre, c'est la vraie guerre, la guerre nucléaire. Et le gros là il... Ah, lui c'est bon. Hop, hop. Ok. Ok. Je pense qu'on est à peu près bon là, non? Non, il reste encore un là. Ok. Ok, il est pas mort encore. J'ai jamais vu mourir le petit démon là. Petit diable. Il est pas mort encore? Ah putain! Eh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais pas y arriver. I foresaw their every move. Waouh, des monstres qui se battent pour nous, c'est fort, comme au bon vieux temps. Eh bien presque, malheureusement c'est temporaire. Si nous voulons rétablir l'ordre des choses, il va falloir creuser pour savoir ce qui se cache derrière ces événements. Oh vraiment, je me disais que les choses allaient peut-être revenir à la normale tout naturellement. Ne perds pas espoir, Medicix. Comme il existe un moyen de faire retrouver leurs esprits à nos anciens amis, il doit forcément exister une solution à notre problème. Tu en es sûr? Slurpez. Alors on va faire notre possible pour tous les remettre sur pied. Je vais faire de mon mieux. Bien, assez parlé des médailles de monstres, revenons à des préoccupations plus urgentes. Tu veux bien? Nous avons réussi à rapprocher le générateur de mon labo.
Retournons au camp pour nous reposer et laissons mes chercheurs s'occuper du reste. D'accord ? Je suis d'accord. Ok, petit temps de chargement. Thank you so much. Merci à vous tous, le générateur est intact, nous n'y serions pas parvenus sans vous. D'accord. Nul besoin de nous remercier, ma chère. Il n'était pas question de vous laisser dans un tel embarras. Hé hé, c'est bien vrai. Et n'oublions pas que ce sont les médailles de monstres qui ont vraiment fait la différence. Notre victoire est certes encourageante, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger sur le comportement des monstres. Qu'est-ce qui les a poussés à s'en prendre au générateur ? D'accord, ok, donc on est revenu au camp Mécalis. Ah oui, alors si j'ai des grains d'or, d'ailleurs je vais les vendre. Ah ouais, j'en ai. Super, parce qu'eux ils serviront pas pour la chimie. Super. Bon, après je vais les garder parce que ça peut servir pour l'alchimie. Donc j'achète. Donc j'ai 3015 pièces d'or. Ça j'ai déjà. Ouais, boomerang rafale, mais bon. Bouclier d'écaille. Donc, bouclier d'acier pour Aurora. Nickel. Ok, alors ça c'est fait. L'alchimiste, toujours pas. Non, toujours pas. Ok, donc en fait ça viendrait du volcan de l'île du Nexus, ok. Pardon. D'accord. Très bien, mais on va aller voir le volcan de Nexus, je pense. Non mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir invoquer les monstres quand même pour avoir un coup de main, surtout quand il y a des monstres qui attaquent de du sud et de l'ouest en même temps par exemple. On n'a pas trop le choix. Il faut bien protéger toutes les zones quoi. I see. Ok, bon, ça je sais, je suis au courant.
Hop, donc les points de compétences. Oh, là, j'en ai pas assez. Allez, on y va à la prochaine mission. Yes. Ah, ils vont nous attaquer par trois côtés, là c'est chaud. Très très chaud. Ouais, il faut utiliser les médailles de monstres de façon stratégique, en effet. Bon, du coup, je vais changer de perso. Hop, hop. Voilà. Ah, trop marrant. Ah ouais, glace pliée, trop stylé. Délivrance. Ouais, ils sont aspirés, ils vont tomber. Une médaille, très bien. Donc je vais mettre une médaille pour protéger. Ouais, il y a trois issues. Donc là. Hop. Donc lui, il va nous aider. Il y en a ici aussi. Hop là, voilà. Par contre, du coup, il n'y a que trois. Ah non, il y en a là aussi, merde. Ok, bon, moi je vais mettre là. Il y a trois issues, c'est vrai. Et glace pilée. On va récupérer les médailles. Ouais, médaille de mage. Ok. Lance un sort de crâne avant de défendre sa position. D'accord. Donc je vais la poser tout de suite. Ok. Et ici aussi. Hop, médaille de squelette. Ah, donc du coup, faut que j'en pose en deux positions. Ok. Et moi, j'attaque ici. Allez, hop, on y va. Donc si on peut ramasser encore des médailles de monstres, ça serait bien cool. Il faut bien utiliser l'attention. Hop, du loot. Enfin, je sais pas ce que c'est. Ah, ça redonne des PM, d'accord. Du loot. Ah merde, j'ai plus de place. Ah putain, j'ai plus de place. Donc là, faut que j'attende qu'ils meurent les autres monstres, d'accord. Ok. Allez, on y va. Là, je crois que ça sert à rien, la médaille. Ouais. Bon, du coup, les médailles, je vais pas les prendre, sinon elles vont être gaspillées. J'ai eu des monstres pour protéger la zone, mais en fait, c'est pas ce qu'ils foutent. Je pense que nature est certainement bothersome. Non, ça c'est le mien. Ok, niveau supérieur, super. Ok, donc là, moi, je fais un peu le ménage, très bien. Ok.
J'aimerais bien voir l'ulti là, ce serait sympa. Et ma barre de tension elle est presque remplie. Ouais, je sais, il a des dégâts le générateur, mais compliqué là. Courage, friends, courage. One final push, and the day shall be ours. Ah, je crois que ma tension c'est bon. Ok, super. Allez, on lâche attention. Ok. Allez. On libère l'ulti. On lâche l'ulti. Là, ça rigole plus. Ça ne rigole plus. Alors, on détruit le monde. Là, c'est un truc de ouf. Truc de ouf. Bon, j'ai pas le temps d'aller chercher. Ah merde! Ah, le générateur est mort. Merde, putain. Ah, faut que je refasse. Ouais, je refais depuis le début. Ok, donc faut protéger le générateur. En fait, il y a trois attaques possibles. Enfin, il y a trois attaques. Les ennemis peuvent attaquer de trois directions possibles, donc du nord, de l'ouest et de l'est. Et j'avoue que c'est un petit peu chaud. Même si on a les médailles de monstre pour protéger tous les, toutes les issues. Parce que les monstres qu'on peut invoquer, ok, ils peuvent se battre, mais ils peuvent pas rivaliser non plus avec des nuées d'ennemis. Allez, on y va. On continue. On reprend. Je vais peut-être garder le héros, parce que le héros, il est plus rapide, en fait. Alors du coup, ouais, des médailles. Donc les médailles, hop. Parce que les soldats, ils protègent là. Ils protègent aussi ici, mais je vais mettre les médailles ici. Et ici. Ok. Les monstres, voilà, ils sont un petit peu loin. Ok, allez, fonce et pêche. Allez, faut les latter le plus vite possible. Hop, une médaille. Du coup, je vais mettre ouais, le monstre ici. Ah, quoi que les... Ouais, non, ici. Parce que les soldats, en fait... voilà. Au moins, il y a trois monstres ici. Nickel. Hop, une petite plante. Donc là j'ai trois monstres qui protègent la zone. Ok. Une médaille. Et je mets encore un quatrième monstre. Voilà. Comme ça, cette zone là elle est bien protégée. Ah, je peux pas la prendre. Je peux pas la prendre. Donc lui, on va essayer de le niquer. Ce sera fait comme ça. Allez, mal son monstre. On va s'en débarrasser. Putain. Ok, lui, il est mort. Nickel. Ok, donc logiquement, cette zone-là, elle est nettoyée. On va se débarrasser des gluants. Ok. Hop. Ok. We must take every care not to let them land a blow.
il en reste un là, je sais pas. Ok, donc cette zone là ça va. Là je vais mettre hop le monstre que je viens d'avoir. Et on va faire un petit peu de nettoyage, voilà. Un petit peu de nettoyage. Les petits gluants, on va s'en débarrasser. Parce que les soldats ils arrivent pas à gérer, on dirait. Ok. Non, ça c'est mon magicien. Ça c'est le mien aussi, ok. Ok. Hop, une autre médaille. Du coup, là j'ai deux alliés. On va le mettre un monstre ici. Au nord. Ok. Et d'ailleurs, le mieux, c'est d'aller voir le boss. Hein. Ok, c'est un générateur, il a encore les trois quarts de la vie. Ouais, faut pas compter celui-là, parce que sinon, ça va jamais s'arrêter. Will their onslaught never cease? I fear we may not be able to keep up. Et on va le tuer. Attention, je la garde pour la fin. Okay, il est presque mort. Allez, encore un coup, deux. Super. Donc du coup, il n'y aura plus personne qui va arriver là, logiquement. Ok. On débarrasse les derniers. Les derniers petits gluants. Hop, on prend l'autre. Médaille, je peux pas la prendre pour l'instant. Ok, attends. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il y a encore des mecs qui viennent là? Ah, merde. Finalement, il y a encore une vague. Alors, l'attention. On prend l'attention parce que là, il est chaud. Allez, ulti. Super. Le générateur, ça va, hein, il s'en sort bien. Ok, médaille de Vampivol. Très bien. Alors, il existe deux sortes de médailles de monstres, des médailles dorées pour les sentinelles et des médailles argentées pour les escortes. D'accord. Ouais. Ça, là, c'est pas une escorte, hein, c'est plus pour une sentinelle, je crois. Jusqu'à présent, vous avez utilisé des médailles de sentinelle pour invoquer des alliés qui défendent une position contre l'ennemi. Les médailles d'escorte, comme celles que vous venez d'obtenir, sont différentes. Les monstres invoqués ne vous offrent leur service qu'une seule fois. Ah, d'accord. Ils disparaissent dès qu'ils ont rempli leur mission. Alors veillez à les conserver pour le moment où ils seront le plus utiles. D'accord. Ok. Bah là, on va le lâcher parce que... Voilà. Marteleur. Ok. Là, franchement, ça va, il n'y a pas grand monde. Hop, ici. Voilà. Et on va nettoyer la zone un petit peu. Voilà. Hop. Hop. On lâche encore un monstre. Et puis, il protège là, mais il n'y a plus rien à protéger. Là ça va. Franchement j'ai même le temps de prendre le loot. Hein. Le générateur il a pas été trop attaqué là. Je peux prendre la petite médaille. Ah non elle a disparu. Merde. Tant pis. Bon ça devrait aller quand même. Logiquement on est bon. On est bon. Ok. Ouais là ça devrait. C'est les derniers monstres là. Ok là. Ok. Une petite chauve-souris là, putain.
Il y a encore du monstre? Non. Bah ça c'est mes alliés. Ouais. Ouais, il y a un point rouge, mais... Peut-être qu'il est caché. Ah, il est là. D'accord. Ah, il se cache derrière le mur. Très bien. Super, mission réussie. Voilà, au deuxième essai. Hourra mes amis, vous faites la fierté de votre royaume. Les monstres ont été repoussés et nous venons de remporter une victoire légendaire. J'ai eu quelques doutes l'espace d'un instant, mais on a réussi. Évidemment, je n'ai jamais douté de toi un seul instant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que le générateur soit installé à l'ingéniosité. Ok. Ok, donc point de compétence. Ah, cool. Je vais pouvoir débloquer des compétences. Alors, hop, divers. Ok. J'en ai 9 et 8. Donc lui, on va lui débloquer la foudre. Alors, je vais lui rajouter des DPM. D'accord. Et j'ai plus de points de compétence, ok. Donc Aurora. Aurora, pareil, on augmente son maximum de PM. Nice. Ok. On va lui augmenter la force. Et du coup, il reste 3. Qu'est-ce qu'on peut lui augmenter là? Alors, c'est quoi? Assaut périlleux, maintenez carré en l'air pour repousser l'ennemi d'une rotation acrobatique. Ok. Et il y a Doric aussi. Projection, appuyez sur triangle puis carré pour faucher l'ennemi d'un grand coup au sol. D'accord. Très bien. Et Isild. On facilite l'activation du boomerang. Ok. On prend ça. Du coup, on sort, ok. Très bien. Tu lui racontes quoi? Tu racontes quoi, toi? Ok. Ah, j'ai gagné beaucoup de pièces d'or, super. Alors, bouclier d'acier, bah, du coup, personne. Là, c'est bon, boomerang, rafale. Ouais, on va le prendre comme ça, bien augmenter son attaque. Ok. Le gourdin à pic, bah, on peut le prendre aussi.
Génial. Ok. All yours. Be lucky. Ok, ben là je pense que je suis quand même pas mal stuffé. Non, parce que j'ai pas sauvegardé. D'abord je sauvegarde et après je pars en mission. Welcome, child. Let us pray. Non, on continue. On va faire une dernière mission quand même. Ok, on y va. 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 Chef, le générateur est installé. Beau travail, mes amis, mais visiblement, nous avons d'autres monstres à éliminer avant de le mettre en marche. On y va. À l'attaque, les amis, un dernier effort pour reprendre Mécalis. Ah ouais, d'accord, on est toujours sur Mécalis. D'accord. Alors là c'est plus simple parce que du coup visiblement ils vont pas venir de par là-bas sauf s'ils font le tour. Hop, petite médaille de monstre. Ok. Ah, augmente la tension des alliés de façon craquante, d'accord. Et je vais le mettre juste là. Onward. Voilà. Ah, il y a le magic canon. J'avais même pas vu. Ah, ça c'est cool, le magic canon. Ah mais attends, du coup on voit pas. Bah là je vois pas trop à quoi ça sert. Là je comprends pas, mais on sera. Ça va, pour l'instant c'est pas trop dur. Hop, on peut même respirer du loot. Une horde de monstres est apparue. Ok. Une petite médaille pour protéger le générateur. Ah oui, parce que lui il agit qu'une fois. Ah, je pensais la médaille argentée. Ouais, j'ai gagné une feuille d'Itardi là. Ok, donc les squelettes, bonjour, au revoir.
Voilà. The monsters are defeated, and yet this stillness, does it seem almost too still? Ouais, on a gagné, mais c'est bizarre quand même. Ah, un boss? Est-ce que ce serait un boss? Je crois. Je crois qu'on va voir un boss. Maybe not. These violent vibrations, these thundering footfalls, they can mean only one thing. An enemy of enormous proportions. To be more precise, a blue, one-eyed giant with a single horn atop his bulbous head. Rogue Zeros. Du coup, tu t'es décidé sur ce que vous allez prendre comme jeu? Enfin, sur ce que tu peux prendre. Please, it's too much perilous. Get him alone off your shoulders, if you please. Ah, on va avoir d'autres alliés. On va avoir des nouveaux alliés. Yo! Did you witness my prowess? Trevor, why always do you place yourself in such peril? Behold, now he is perusing our direction. Non, je sais pas. Ah merde. I will extinguish such a lumbering thunderhead with ease. Trop de choix. Ça dépend si je trouve le bon. These needless braveries, this you see is a gigantic and one of many hundred times your scale. Mais déjà, tu penses que tu l'as quand même dans ta chambre ou quoi? Ou tu n'as vraiment aucune idée? But of course, no, Sarevna. I have admired, I mean, of course, witnessed at first hand many times your. Hello. We were actually about to try and take that thing down ourselves. You do wish to belabor the fat imbecile? Then let us set about him together. Allez, on va faire équipe. Sarevna, Alena, at your service. Now invert to combat. Should we delay or tarry, the town will surely be pummeled entirely to smithereens. Sarevna, please to exhibit less reckless haste. To rush blindly inward is excessive folly. Ouais, c'est une tête brûlée, la fille, hein. C'est une bonne tête brûlée, j'ai l'impression. She's amazing. She just jumped straight on in there like it was nothing. Well, I'm no shrinking violet myself. Inward, to combat. Stay here if you want. I'm going with her. Kirill, was it? You have my sympathies. Suffice it to say, I know how you feel. Come, gigantic. Ok, donc là, on va se battre contre le géant. Oula. Donc lui, il blague pas, il nous repousse carrément. Sarevna, please to fall back. You are placing yourself. Ah d'ailleurs, je peux switcher de personnage. Hein. Je vais prendre la fille aussi. Au roi. Elle a lancé l'attaque glacée. Ok. Ouf. Il m'a donné un coup de pied. J'ai rien compris. Voilà. Et je peux prendre aussi l'ingénieur là. Hop. Donc il y a lui et elle avec son boomerang. Ok. Et l'oiseau de feu. Ouais, ça, elle lance un phénix en fait, c'est génial ça. Elle balance un phénix. Et elle a quoi, le lancer de feu aussi? Ouais, j'ai pas vu. Ok. Ah, pas cette PM, j'ai plus de PM, regarde. Ouais, du coup, hop, je switch. Allez, lame de feu. Je crois que le. Ça régène hein, les PM. Et là, la foudre. Yes. Ah, mais il a encore vachement de PV le géant là. Alors là, je déclenche ma tension. Donc là, je ne lâche pas. Parce que du coup, ma force est décuplée. Et surtout, faut pas oublier de lancer une super attaque. Ah! Ok. Allez, bon. L'attaque ultime. L'attaque ultime. If you don't put a
room soon, he'll smash all of Calibur to pieces. Hop. We have to hurry. Et c'est bien de switcher parce que du coup on peut utiliser plusieurs plusieurs ultis et puis aussi les attaques magiques qui se régénèrent. You don't have to tell me twice. Let's wallop this thing. Il perd des PV mais quand même doucement. Ah lui, c'est bon. Non, 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 voilà. Allez, l'attention, l'attention du roi, Doric. Ok. But Zarema, you mean you have to be assailed by yet more such creatures? C'est l'ulti. Elle est bien stylée son ulti, hein. Putain. Bien stylé. Allez, le phoenix. Allez, tu balances ton phoenix encore. Qu'est-ce que c'est? Ok. Hop, je switch. Ah oui, j'ai plus beaucoup de PV, hein. Il me reste la moitié de PV. Hop, je switch. L'attention, elle est pleine. Allez, l'ulti. Ah merde, j'ai visé dans le mauvais sens. Bon, je sais pas si elle a touché un petit peu. Faudrait éviter qu'il se rapproche trop du générateur là. Merde. Hop, attention. Il faudrait lâcher là. Allez, attaque ultime. Attaque ultime. Bah, ça pas suffit, hein. Bon, ça, le générateur, il est un peu loin quand même. Ah, il est presque mort, on va l'avoir. On va la voir. Ah, le géant a invoqué une nuée de monstres. Ok. Allez, il a son attention. On invoque l'attention. Après, on va l'achever avec l'ulti. Mais attention, il lui reste plus grand chose. Allez, l'ulti du roi. Yes. Victory. Victoire. Super, donc la mission, elle est finie. Logiquement. Acquis crottin de cheval. Ouais, non, les petits monstres. Okay.
Bien joué tout le monde, on lui a flanqué la raclée de sa vie. Je suis très impressionné, tu as été d'une grande aide pour nous. Soyez également remercié, sans vous, je ne suis pas sûr que nous aurions réussi à vaincre un tel ennemi. Voilà qui me console un peu. Si vous n'avez pas été incommodé par la fougue de la tsarine, mais quelle est la cause de tout ce remue-ménage ici? Très bonne question, mon ami. C'est une longue et tragique histoire. Tsarine Alina et Kirill, c'est ça? Avez-vous du temps devant vous pour l'entendre? C'est le destin qui nous a réunis. Il serait incroyablement stupide de laisser passer une telle chance. Nous pouvons certainement nous apporter une aide mutuelle. Da, moi aussi, je pense à la même. Da. Dans ce cas, la question est réglée. Mais ne traînons pas ici plus longtemps que nécessaire. Et si je vous faisais visiter le labo par ici? So, you said you were from somewhere called Zamoxva. Indeed, yes. I see. The thing is, there's no such place. Ah. Not in our world. Ok, donc ils viennent d'un autre monde. Ok. Could we have become somehow displaced from our own world to another? Do not whimper so babyishly, Kirill. The thief we seek is present here. Whether it is our own world or no, this is where we must remain. But if you were to become harmed in such a place, I would, disregard his babblings. These monsters, you say they were not always so much crazed, yes? Until not so long ago, the monsters and us were the best of friends. And then they just turned on us all of a sudden. And not just here, the capital where we live was overrun too. Having managed to avert a crisis there, we came here, only to find the same sorry state of affairs. It seems safe to surmise that all the monsters in our world have been affected. And why in heaven are we standing around pontificating? We must make haste and save my loyal subjects! Right. Kirill, what say you that we accompany these fine heroes on their noble quest? Tsarevna, we... Indeed, we must! We must! In accompanying with our new friends to all the places of this world, we are sure to eventually locate our thief! Le mec, il est dégoûté. Excellent! Excellent! With such stout-hearted companions beside us, our doughty band shall be all the stronger! Truly? You truly wish it so? Ah, petit tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? What can this signify? Think she's ready for the off, Your Majesty. So the time has come at last to taste the fruit of your long years of labor, huh? Aye, that it has. Ok, donc le... Ok, donc on s'envole avec le royaume, très bien. Time to fly, très original. Stone cloud. Full steam ahead. Donc c'est un vaisseau royaume, quoi. Et ouais, l'ingéniosité vole. D'accord, donc maintenant l'ingéniosité est un vaisseau volant qui s'appelle l'Aeroc. Pardon. Ok, donc c'est une petite allée volante, très bien. Ha ha!
captain. Ouais, l'équipe, elle s'agrandit de plus en plus. On est 6. Ouais, on peut prendre une équipe que de 4 à la fois. Truly commend. Excellent. Ah. Ok, Alina et Kirill rejoignent l'équipe. Très bien. Du coup, faut que je choisisse qui je vais mettre sur le champ de bataille. Donc, Alina, des combos de reine. Les enchaînements d'attaques en tension, voilà la spécialité de la tsarine Alina. Maintenez triangle pour rendre son casse d'entier encore plus efficace. Son attaque ultra rapide multipoint inflige des dégâts considérables en déclenchant un déluge foudroyant de coups de poing. Propice au combo. Alors, Kirill, le fidèle lancier. Kirill est un lancier très habile d'une force surprenante, doté d'aptitudes impressionnantes à découvrir, dont sa triple attaque à longue portée. Ce défenseur solide peut utiliser la méga protection pour renforcer la défense de ses alliés. Ah, c'est bien ça. Un vrai don de la déesse lorsqu'il s'agit d'affronter des boss. Pour en savoir plus sur les aptitudes d'Alina et de Kirill, ouvrez le menu et consultez la liste d'actions. D'accord. Ah oui, et puis là, du coup, ça va être un peu le hub maintenant. C'est plus le camp près de Mécalis, c'est le vaisseau. D'accord, mais du coup, ce que je vais faire. Bon, je ferai le tour la semaine prochaine. Non. Prochain live, cette semaine. Hein. Peut-être demain, du coup. Juste, je voudrais sauvegarder. Elle est où là? Ah, je crois qu'elle est dans le couloir en fait, la religieuse. Si je dis pas de bêtises. Let us pray. Okay. Ouais, je sais pas pourquoi ça frise sur ce moment-là. Ah, ok. Du coup, les amis, moi, je m'arrête là. Je vous dis à demain pour... Enfin, tout à l'heure, parce qu'on est déjà, jeudi. Pour de nouvelles aventures, bonne soirée à vous, si je ne me reconnecte pas. On sait jamais, peut-être un petit live Fortnite, n'est jamais exclu, ou... Moi, je trouve, en tout cas, là, j'ai besoin d'un bon break. Donc on ne sait jamais, peut-être un live nocturne. En tout cas, sinon, bonne soirée à vous. Salut.